Nous sommes aujourd'hui à l'extrême sud des États-Unis, dans une ville connue pour ses nuits chaudes, ses fêtes épiques et, comme la porte des Amériques, Miami. Les pilotes sont alignés à l'extrémité de Little Havana et la course est sur le point de commencer. Et il passe la porte de l'Alhambra, au cœur de Coral Gables. Nous attaquons une partie technique dans le centre-ville en croisant certains des plus hauts gratte-ciels de Miami. Au-dessus, c'est l'un des transports en commun les plus connus de la ville, le Metro Mover. Et nous arrivons à la fin d'une autre course passionnante dans l'une des villes les plus emblématiques du pays. Restez avec nous, car la suivante nous emmène à l'ouest, dans le comté de Los Angeles.
sommes aujourd'hui à l'extrême sud des États-Unis, dans une ville connue pour ses nuits chaudes, ses fêtes épiques et, comme la porte des Amériques, Miami. Les pilotes sont alignés à l'extrémité de Little Havana et la course est sur le point de commencer. Et il passe la porte de l'Alhambra, au cœur de Coral Gables. Nous attaquons une partie technique dans le centre-ville en croisant certains des plus hauts gratte-ciel de Miami. Au-dessus, c'est l'un des transports en commun les plus connus de la ville, le Metro Mover. Thank you.
Il devrait pouvoir atteindre des vitesses assez élevées dans ce virage progressif vers Brickell Bay Drive. Ne manquez pas la belle vue sur la chaussée qui mène à Virginia Key et Key Biscayne. Quelques virages serrés maintenant, puis les pilotes passeront sous l'autoroute et s'engageront sur Coral Way. Les pilotes n'auront pas trop le temps d'admirer la vue, mais cette rue est l'un des plus beaux axes du sud de la Floride.
Le prochain virage à gauche s'ouvre sur l'un des ronds-points les plus connus de Miami, ce qui signifie que la ligne d'arrivée approche. Et nous arrivons à la fin d'une autre course passionnante dans l'une des villes les plus emblématiques du pays. Restez avec nous, car la suivante nous emmène à l'ouest, dans le comté de Los Angeles.